Bonjour mes petits loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo aujourd'hui sur un trou dans ma voix. C'est pas foufou. J'ai encore une bronchite carabinée. J'ai du mal à parler sans avoir des câbles de tout pas possible. Mais j'avais tellement envie. Ça fait un petit moment maintenant, fait à peu près un peu plus du soleil, que j'ai reçu ma bosse prestige de CBO. J'avais trop envie de l'ouvrir avec toi. Là, j'ai juste pré-ouvert pour toi que ce soit plus facile. Mais j'ai rien touché à ce qu'il y a dedans, tout seul. Encore dans papier bleu, tu vois, il y a le scotch et tout. Vraiment, ça me tenait à cœur de déballer avec toi. Donc, c'est la box prestige, tu sais, avec l'illustration de mercredi. Je pensais recevoir ça dans une petite boîte et en fait, non. J'ai reçu ça dans une petite enveloppe comme ça, en papier. Je vais pas retourner là-bas parce qu'il y a mon adresse, n'est-ce pas? Donc, écoute, on va découvrir ça ensemble. Bon, j'espère que je vais pas tousser comme pas possible. Parce qu'en plus, j'ai pas mal de déballage à vous faire. Donc, je te dis pas. Alors, c'est parti. Tu vois, regarde. Je viens juste d'ouvrir à l'instant. Vraiment, juste avant ce qu'on tient le dos. Tu vois, il y a le scotch et tout, t'as vu justement. CBO, toujours extrêmement bien emballé, n'est-ce pas? On va garder le papier bleu là. Ah, c'est carrément une pochette en papier bleu. C'est excellent. C'est trop trop bien. Hop. Papier bulle. Ensuite, dans un super joli papier soie, regarde l'étiquette. Wednesday, till is the fuel of wow. Elle est trop belle, la petite étiquette là. Alors, on va essayer d'ouvrir ça précautionnellement. Ma grande soeur se rappelle pas quelque chose, ce petit moment où j'ouvre, ou du moins j'essaye d'ouvrir précautionnellement le papier de soie, mais sans succès quoi. J'y vais une vidéo où je faisais un unboxing de... C'était la craft box à l'époque. J'ai mis, attends-vous, à devoir décoller l'étiquette sans abîmer le papier de soie. Mais j'ai mis trois plombs, hein, toujours. Ça a été à crise de rire pendant la vidéo. Et du coup, j'ai arraché le papier de soie. Oh, bon, malgré l'oxygène, je le tousse encore. Ouais, j'ai mis l'oxygène pour la vidéo, comme je vais tapoter. Je le porte quasiment tout le temps. Mais, parce qu'à force de tousser, pas forcément je fatigue beaucoup. J'ai trop hâte. Désolé, là. Oh là là. Oh, c'est trop beau! Alors, on découvre déjà ce qui est crémique. Je crois qu'ils attendaient un réassort à Chimior. Oui. Je ne suis pas sûre. Donc, c'est un fil en polyester métallique. Vraiment désolé.
Donc c'est le numéro 4 et on peut dire qu'il y a 11 mètres. Elle est trop trop jolie. Après. Oh là là, c'est trop beau. Si je t'en ai pas d'accord à la vidéo, je sais pas quand on aura découvert ça et... Bah, j'avais vraiment envie de regarder ce qu'il y a dedans, quoi. Regardez-moi, c'est merveille. Comprends-tu pourquoi j'avais envie de partager ça avec toi? Alors déjà... On a le petit aimant. Version mercredi, mais version cibioire. En petite cibi. Petit aimant. Qui colle méga bien. Qui aimante méga bien, j'ai envie de te dire. Non. J'enlève pas du papier, ça sert à rien pour l'instant. Ensuite, on a une petite carte. What is this field? It's fuel of wow. Grand petit chibi comme ça. Regarde que c'est pas mignon. Heureusement, j'adore. Donc moi, j'avais demandé de l'étamine. La toile est magnifique. On a deux toiles, d'accord. On a un autre aimant. Vraiment, mercredi. Bah, version mercredi, enfin, tu vois. Pas chibi, quoi. Magnifique, l'aimant. Qu'est-ce que c'est, des petites perles? Oh, c'est trop bien! On a des perles. Perles et palais en labradorite. Alors, la labradorite, c'est une pierre semi-précieuse. Et il faut savoir que j'ai offert une. Un pendentif en labradorite à ma petite sœur. Et dans la lithothérapie, donc les pierres, quoi, les pierres, la labradorite est une grande pierre semi-précieuse de protection. Et c'est une pierre que j'aime énormément. Ils sont magnifiques. La caméra ne rend vraiment pas justice à ce que moi je vois en réel. Et je te l'avoue très honnêtement, je n'ai pas envie d'ouvrir le sachet parce que j'ai trop peur de les perdre. Alors, on a deux toiles. Donc je suppose qu'une des toiles c'est pour la petite chibi et l'autre c'est pour mercredi. Oh, c'est trop beau. J'aime trop. Regarde-moi ça, cette beauté. Donc c'est une vitamine 10.2, je crois. Donc moi, je la prends en 2-2. C'est-à-dire en deux brins. Avec deux brins sur deux... sur deux fils de trame. Vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Thank you.
là là. Ça m'agace, hein. Et la deuxième toile. Cette beauté, cette souplesse, c'est incroyable. Donc t'as vu le petit symbole lavé à la main. Oh, c'est Midnight. Midnight Poet. Designé par Mélanie Pelé pour Sibio. Juste magnifique. Sublime. Sublime, sublime. Merveille cette toile. J'ai l'impression que c'est une Murano. Je suis pas sûre de moi. Par contre, il faudra soit la cranter, soit mettre du scotch de peintre ou quelque chose. Parce qu'elle s'épiloche énormément. Oui, la souplesse de la toile, un vrai bonheur. Et je regrette vraiment pas mon âge. Bon, j'espère que tu ne me tiendras pas à rigueur de la qualité un peu merdoum de la vidéo que je suis en train de te faire. Parce qu'écouter quelqu'un en train de tousser toutes les deux secondes, je suppose à quel point c'est très très peu agréable. Mais comme je te dis, écoute, la pochette est à côté de moi depuis quelques jours. Et ça m'est vraiment super envie de découvrir avec toi. On a un petit trifil, un organisateur où tu peux écrire derrière quelle broderie ça tu brodes avec une petite chibi, avec mercredi en chibi. Et ensuite, nous avons... Oh, c'est magnifique. Rien que le livret, c'est de l'art. Donc, concernant la petite chibi, les dimensions de la grille, ça fait 58 de largeur sur 82 de hauteur. Un point. Bien sûr, je parle. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que d'un côté, tu as la grille en couleur. Et de l'autre côté, tu as la grille en noir et blanc, mais avec les points arrière. Et la grille en couleur, eh bien, tu vois, elle est sans... sans les points arrière. Et je trouve ça vraiment très très intéressant. Tu comprendras que je ne te montre pas le livret. Ou un tout petit peu. Et ici, nous avons il y a un petit texte qui est une vieille cantine anglaise que on nous a traduit.
On nous dit, déjà, on nous dit, cette grille a été réalisée par Mélanie Pellet pour CBOR à partir d'une illustration créée par intelligence artificielle. Et donc, je vais te lire la comptine que j'aime beaucoup, je dois dire. L'enfant du lundi a un joli visage. L'enfant du mardi est plein de grâce. L'enfant du mercredi a des tourments. L'enfant du jeudi a encore beaucoup de chemin à faire. L'enfant de vendredi est aimant et généreux. L'enfant du samedi, pour gagner sa vie, est laborieux. Et l'enfant qui, le jour du sabbat, naît, est beau et joyeux, bon et gai. Trop. Elle est tellement mignonne. Ah, il y a des petits pois. Nous avons des petits pois, les petits loups. Voilà pourquoi j'ai pris une étamine. Ce sera beaucoup plus simple à réaliser. C'est incroyable la qualité. La qualité de du diagramme. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer mon diagramme parce que je griffonne. Je griffonne après mon diagramme. Donc bien sûr, je vais pas griffonner sur le sur le livre. Magnifique. Je suis trop contente. Et ici, donc on a la dimension de la grille. Donc ici, c'est pour la grille de mercredi, pas la CBBOT. La toile conseillée. Et ici, on a tous les fils qu'on a besoin. Il y a les nouveaux DMC. C'est très bien parce que j'en ai acheté. Donc voilà. Et si tu as donc tout. Désolée, j'ai coupé parce que ça n'allait pas. Je vais essayer de faire des coupures dans la vidéo avec le montage. Parce que déjà que ça va pas être agréable pour vous. Donc je vais vraiment essayer au maximum de faire des coupures à chaque fois que j'ai des cartes de tout. Mais comme je vous ai dit, c'était soit ça ou soit je faisais pas ma vidéo et je déballais toute seule dans mon coin. Et ça m'embête en fait. Ça m'embête parce que j'avais vraiment envie de passer un petit moment de partage avec vous. Et j'ai toujours été transparente avec vous sur en ce qui concerne en tout cas ma santé. Voilà, mademoiselle Bouti. Et donc c'est pas maintenant que je vais enjoliver les choses, vois-tu ce que je veux dire? Te dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, alors que c'est pas forcément le cas. Mais bon, la vie continue, tu vois.
Et je continuerai quoi qu'il arrive à vous partager mes douces folies. Bon, mes petits loups, je vais vous laisser parce que ça va bien vraiment compliqué. J'espère que cette vidéo très chaotique ne vous aura pas trop déplu. Avec Bouti, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. À tout bientôt, mes petits loups.